Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo d'usine. Mais là, je me marre, je viens de voir un commentaire. Regardez-moi ça. Il est là. Notre HG2, on croyait qu'il avait quitté YouTube, mais il est toujours là. Arraché, enfin, attaché comme un morpion. C'est pas possible. Quel déglingo, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Oh non, ça me fait mal. Quand j'ai vu sa tête, je me dis non. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, allez. L'usine est toujours là. Il est à 46 centimes. Wow, on flirte avec le niveau de l'introduction. C'est assez chaud, chaud, chaud. Alors, j'ai vu la petite. Comment ça s'appelle? J'ai vu la vidéo d'hier. Bon, je vais peut-être la commenter demain s'il n'y a pas de sujet brûlant. En tout cas, là, on peut tracer déjà le trend bien baissier. Alors, on avait pronostiqué quand est-ce qu'il atteindra les zéros. Peut-être pour bientôt. Hein. Je crois que c'était août, fin août, septembre. Je peux mettre les deux canaux, ouais, c'est comme ça. On est en daily. Tiens, on va se mettre en monthly. Monthly, ça va être pire. Comment on change le. Ah, tiens. Ah non, mais là, ce serait grave que je puisse pas changer le. Ou alors faut se barrer et revenir? Non. Bon, ils vont pas me faire ça. Ah non, mais c'est ultra buggy si c'est comme ça. Bon, on va se mettre en monthly. En weekly, je veux dire. Monthly, non, ce serait trop. Ce serait beaucoup trop pour ce qu'on veut faire. Là, je mets en grand. Et là, surprise, je peux pas changer l'unité de temps. Vous voyez, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau du tout. Hop, en tout cas, on va suivre aussi le glouki très attentivement. Regardez-moi ça, c'est de main de maître, c'est millimétré vraiment. Poil de cul là, regardez-moi ça. Alors les zéros, attendez. Ah non, on est dans le négatif bientôt. Là, je crois qu'on est au niveau des 10 centimes. Si on descend plus bas, 20 centimes. Ah non, on est déjà au négatif. Ah, le zéro, ça y est, j'ai vu la ligne des zéros. Elle est là. Bon, c'est juste pour la blague, la ligne des zéros. Il ouais, faut espérer qu'on l'atteigne pas. Sinon, c'est finito, les gars. Ah là, il va falloir basculer sur un autre actif. J'arrive pas à le mettre très bien, mais bon, là, on se donne une idée. Et c'est toujours la date. Ah, c'est vers le 9 août. La date s'est rapprochée. Il y a une accélération baissière. Wow. On va quand même faire les 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ce ne sont pas les vagues d'Elliott, hein, c'est juste pour vous montrer comment ça rebondit. Support, résistance. Bah, les 1, c'était la résistance, du coup, Jim, il s'est emballé un peu vite. Lui aussi, il faudra lui répondre en disant quand il était à 1, il pensait que c'était le moment d'acheter. J'espère qu'il a vendu, le pauvre. Parce que là, si on va poursuivre avec une ABCD. Ah, il y a ABCDE. Ça, c'est le pronostic. Pack, ça va pas monter très haut. Pack. Ah ouais, les zéros, ce serait grave. Non, c'est bien résumé. Lorsqu'on voit la tête du truc, on se dit, oh là là, on a quand même assez peur. Hein. Alors là, visuel, là, je sais pas comment on change. Je suis obligé de me barrer de là. On va se mettre en 4 heures direct. Non, on va se mettre en daily. On va commenter bah, la semaine qui vient de s'écouler. Alors, on est en 31. La semaine dernière, c'était le combien? Je sais pas si j'avais fait une météo. C'était le 24. C'était le 24. Et ce qui est dommage, c'est que ça reste pas les commentaires que je mets. Sinon, ah ouais, bah tout. J'allais dire, on va faire ça sur TradingView. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, c'est bizarre, on la trouve pas sur TradingView. J'avais eu la même interrogative. Ah, ça y est, j'ai perdu une vague. Alors. Non, c'est vrai que c'est. Alors, je sais pas, peut-être qu'il faut être sur plusieurs échanges. Ah bon, on attend toujours hein, les échanges du top 10, on ne voit pas le bout de leur nez. C'est très inquiétant. Alors ce qui part, bon, on a eu quand même une bonne nouvelle, il y aura le retour de certains protagonistes d'usine. Ça c'est ultra cool. Alors en journalier, j'avais dit qu'on était le 26, non 26 ça ferait 33, 26 ça fait 25. 25, 26. Moi, je bloque sur 26. Pourquoi je bloque sur 26? Parce que ça fait 13. Si c'est. Ah, ça fait 13, donc c'est 4, on était 24.
Voilà, je retrouve mes petits, 24 et 7, 31. Très très bien. Alors le 24 était là. Ah, on s'est quitté sur un petit rallye haussier. On va mettre la petite flèche. Ah, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas mémorisé. Même sur. Ouais, même sur B-Box. Enfin, sur Binance. Moi, j'ai hâte que ça arrive sur Binance quand même. On aura des beaux graphes. Là, au moins, c'est sauvegardé. Bah, vous voyez. Et là, on a eu un avalement baissier. Ça a tout rebouffé, tout ce qu'on a gagné là, des 40, on est monté de 40 à 60, on a flirté avec les 60. On a tout perdu en 2 jours. Les 3-4 jours de travail où ça a commencé à se retourner. Aujourd'hui, bah, bougie verte, 46. Vous voyez, ça fait des. Si je regarde la figure, on dirait une. Je sais pas, des tassarances inversées, celle-là, si je vous la trace. Vous la tracez un peu, je sais pas, c'est pack, pullback et figure vraiment très baissière, déjà dans un canal baissier. Ah voilà, c'est une prochaine, on va rigoler. Hein. Et franchement, regardez pas l'actif hein, pour les ceux que vous êtes investis dedans. C'est pas le moment de regarder parce que ça donne envie de lâcher. En plus, cours d'introduction, je pense c'est 45 centimes de dollars. Po po po. Ah là, on a une semaine quand même. Vous voyez là le samedi dimanche très très baissier. Ah ouais, ça fait peur. Bon, on va essayer de faire une petite analyse, même si bon, on voit clairement sur quoi on s'oriente. Alors, je vais me mettre en 4 heures. Ouais, 4. 1 heure, ça servait à rien vu. Ah oui, on n'a pas regardé les volumes, les gars. On va le remettre en grand et on va observer les volumes quand même. Ah, les volumes de folie ou pas? Alors pourquoi? Ah oui, parce qu'il faut que je me remette en pointeur. Ouais, nickel. Ça, on va le mettre en plus grand. Alors, cette fois-ci, on est en 4 heures. C'est bien ça. On est à 6, 60 x 4, 240. Alors, les volumes. Alors, les volumes, bah, hier, bah, on a eu des volumes. Il y en a combien lâché parce que on a suivi les conseils. Quand on vous a dit de vendre, c'était pas vendez pas tout votre portefeuille, les gars. Alors, les volumes. Bah, tiens, je les vois pas. Ah, si, je le vois, c'est bon. Ah, on est à 33K. Ah, pourquoi j'ai des volumes? J'ai des. C'est. On a du rouge, j'ai du bleu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, on a deux volumes ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, 33. 13K. C'est pas énorme. Ah oui, parce que je suis en 4 heures, je suis bête. Mince, bah, je suis bête. En fait, faut que je revienne. Oh, je vais revenir en. C'est pas pratique. Parce que je me suis dit, bah ouais, alors fallait multiplier par 4. Quoique, ouais. C'était faisable aussi. C'était jouable. Non, voilà, Léon. Top record de volume, là. C'était avant-hier. Voilà, 148K. En fait, ouais, ça flirte avec les 150K. Ça reste au-dessus des. Là, on a déjà plus de 110, plus de 100K. Pas mal. Des volumes bien fournis hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais bon, parce qu'il y avait deux plateformes. Maintenant qu'on est sur la plateforme Probit, eh bien les volumes sont de retour. C'est où le support des volumes? 76K. Ok, ça vivote. Il y a de la vie, il y a de l'activité. Mais en tout cas, oui, là, les 100, 148 d'hier ou d'avant-hier. Bah, faut que je regarde. Non, c'est vraiment hier. Hier, il y a eu une annonce de panique, bah ouais, on vous a dit de vendre, bah vous vendez comme des porcs, là, c'est pas possible. C'est pas le moment de vendre, les gars. Vous allez faire écrouler l'actif. Qu'est-ce que c'est que ces conseils? Il y a des conseils, franchement. Il y en a qui devraient s'abstenir. Non, achetez, achetez, achetez. Et même notre influenceur préféré, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu dire d'acheter. Peut-être le début de la fin, là. Oh, la figure. Regardez-moi ça, une tassarance sur une tassarance sur une tassarance. Enfin, c'est des W sur des W à l'envers. Vous voyez? C'est des M en fait. Ça fait des M, 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 M. M, M comme la mort. Ouais, l'actif. Est-ce que ça va passera l'été? Un petit doute. Non, ça. En tout cas, l'hiver, c'est assez compromis. En plus, il y a les vacances d'été et tout. Il faut garder les volumes. Ça va être chaud, faut qu'il survive ouais, jusqu'à. Novembre, décembre, je pense. Moi, je crois au rallye de fin d'année. Moi, j'y crois dur comme fer. Ça a donné quelques vies à certains shitcoins.
Si on avait bien besoin. Enfin bon bref, on s'est assez éternisé là-dessus. Ah bah vous voyez, hein, ça crache, hein. Je vous fais pas un dessin. On va voir la semaine prochaine où ça en est, mais bon, c'est pas très très glorieux tout ça. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.